Hey yo, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo, ce vlog. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Le dernier date de avril 2016, donc ça fait plus d'un an. Mais voilà, ça fait plus d'un an, mais après ça, voilà. Donc voilà, une vidéo vlog pour vous annoncer des petites choses, etc. Qu'est-ce qui se passe ici sur ma chaîne YouTube et autres. Je vais y revenir dans quelques secondes. Dans ce cas-là, on est le 6 septembre 2017. Voilà. Et je souhaite déjà une bonne rentrée à tous ceux voilà, qui sont rentrés. Une bonne rentrée à tous ceux qui vont rentrer. Voilà. Et donc voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai donc parlé de ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube qui a commencé maintenant depuis pas mal de temps, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait au moins depuis pas mal de mois maintenant, est-ce que c'est un peu le bordel ou est-ce que les vidéos sont un peu inutiles, etc., etc. Voilà, il n'y a pas d'organisation. Bref, il n'y a rien, c'est le nul. Oh, punaise. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Je suis un boulet. Donc, voilà. Alors, bonne nouvelle. J'ai décidé de m'organiser. Ouais. J'ai décidé, donc, de m'organiser un petit peu mieux. C'est-à-dire que chaque vendredi, maintenant, je vais poster une vidéo. Donc, ça pourrait être un let's play découverte, ça peut être voilà du gameplay commenté, etc., etc. Mais voilà, là cette fois-ci, je vais faire voilà des vidéos un petit peu mieux. Aussi concernant les extraits que je poste sur le jeu Dragon's Den Titan, je vais me limiter qu'à une vidéo par semaine maintenant. Hein. Parce que là, sinon, c'est un peu le foutoir, c'est le bordel, etc. On n'y comprend plus rien. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bientôt fini. Il ne devrait plus y en avoir beaucoup maintenant. Donc voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être même deux bonnes nouvelles, finalement. Hein, voilà. Pour ce qui concerne les images, genre la bannière, l'image de profil aussi. Alors ça... j'avoue, j'ai pas commencé encore, mais je compte le faire. Voilà, je vais vraiment faire ça et faire à peu près à ma façon. Voilà, j'essaie de faire un truc peut-être simple, mais voilà, qui serait sympa. Voilà, simple et sympa. Donc voilà, en tout cas, ça va changer. Je sais pas quand, mais voilà, ça va changer, bien sûr. Alors, c'est vrai que je reviens vite fait sur les vidéos du vendredi, ça commence ce vendredi là maintenant, donc dans deux jours. Les jours, ouais, on est mercredi, donc vendredi. Voilà, alors, par contre je sais pas du tout quelle heure. Voilà, là l'heure, voilà. Déjà, si j'arrive à planifier un jour, ça serait bien, avant de planifier une heure. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà tout ce que j'allais dire sur ma chaîne YouTube. Concernant la Digimission maintenant, la Digimission c'est une émission que je faisais en live sur ma chaîne Twitch. Alors, j'ai envie de dire que la Digimission est en pleine refonte, c'est-à-dire je suis en train d'essayer de revoir tout ça, un peu de changer peut-être un peu la formule aussi parce que voilà, ça. Voilà, ça devient un peu souvent. Et je vais essayer aussi d'avoir quelques intervenants, voilà, qui fassent, par exemple, l'actualité et autres, voilà, qu'on débatte de cela, qu'on... Voilà. Donc, si vous avez envie d'intervenir dans cette émission, voilà, parce que vous êtes un fan de Digimon et que vous avez l'envie d'en parler, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur sous cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et concernant les autres lives, alors il faut savoir que pour moi, c'est assez difficile de faire des lives, étant donné que la connexion a du mal. Hein, voilà, j'ai pas la fibre. Donc du coup, c'est un petit peu chaud pour moi de faire des lives. Et surtout, en ce moment, c'est que je n'ai pas trop le
temps. Voilà, il me manque un peu de temps pour faire des lives. Donc ça, voilà, ça s'est fait, ça s'est dit. Mais j'espère pouvoir reprendre prochainement. Voilà, j'espère. Donc concernant maintenant le reste, j'ai quand même parlé de Facebook. Pour les plus anciens qui me suivent en tout cas, notamment sur Twitter, ils se rappellent peut-être à l'époque que j'avais une page Facebook, hein, voilà. Cette dernière a été malheureusement supprimée. Et c'est pas moi qui ai décidé, hein, voilà, ça c'est clair et net. J'ai eu des soucis, pour tout vous dire. Et donc, bah, normalement, cette page Facebook-là va revenir. Voilà. Alors, ça sera une nouvelle page Facebook, tout simplement. Donc, voilà. Mais je vous donnerai plus d'informations prochainement, voilà, sur mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner, @crisis_fr, bien sûr. Donc, voilà. Pour ça. Pour ce qui est de jeuxvideo.com maintenant, vous savez peut-être que je fais des articles sur jeuxvideo.com. D'ailleurs, on va pouvoir les voir normalement. Voilà. Donc là, c'est mes articles les plus récents à l'heure où est-ce que j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, donc c'est essentiellement des articles e-sport. Voilà, parce que bah, j'aime ça et donc j'ai envie d'en faire. Voilà, tout simplement. Ça me prend... Ça me prend un petit peu de temps, forcément. Mais voilà, c'est une chose que j'aime bien faire, que je fais plutôt bien pour l'instant. Voilà, enfin, pour l'instant. Ça fait des années que je le fais, mais voilà. Pour l'instant... Bon, j'avoue, ces derniers temps, je ralentis un petit peu parce que, voilà. Et puis, bon, c'est aussi un peu la période de la rentrée. Donc, voilà, c'est normal que je ralentisse un petit peu. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez avoir... Enfin, si vous voulez suivre tout le contenu que je fais sur jeuxvideo.com, c'est très simple. Il suffit tout simplement... de rechercher mon profil sur jeuxvideo.com. D'ailleurs, je pense que je vais mettre le lien de mon profil sous cette vidéo dans la description. Et ensuite, vous pouvez vous abonner. Hein, voilà, tout simplement. Et vous recevrez en notification tout ce que je fais sur jeuxvideo.com. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai retourné vite fait un petit peu. J'avais pas prévu, tiens, de dire ça, mais voilà, je vais le dire quand même. Sur les lives que je fais, il y avait aussi une nouvelle émission dans laquelle j'avais fait des pilotes c'est maintenant assez longtemps, voilà, qui s'appelle Un samedi sous Speed, qui est une émission jeu de course. Pour l'instant, ouais, j'ai pas les moyens de le faire. J'avais fait un pilote, oui, mais pour l'instant, rien, je ne peux que streamer des jeux sur PC parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour le faire vraiment sur les consoles que j'ai actuellement. Et si, alors admettons, alors là, à vrai dire, c'est vrai, j'ai ni de PS4, ni de Xbox One, etc. Vous allez me dire, oui, si tu achètes une PS4, tu pourrais le faire depuis la console. Le problème, c'est que moi, je voudrais le faire ça bien. Et donc, je voudrais plutôt transmettre les images de la console sur le PC, puis ensuite, via le logiciel de streaming, l'envoyer sur Twitch. Parce que bon, c'est bien de passer directement de la console à Twitch, mais c'est basique, c'est pas... ça reste quand même propre, mais ça reste simple. J'aime bien quand même faire un petit peu de layout. Enfin, mettre des overlays, etc., etc. J'aime bien que ça soit assez préparé, assez joli quand même. Parce que bon, sur console, quand on passe directement de console à Twitch, voilà quoi. T'as pas d'option, vraiment t'as rien. C'est un peu la misère. Donc voilà,
Pour l'instant, pour ce qui est du streaming sur console, c'est non pour l'instant car je n'ai pas le matériel adéquat. Je l'aurai peut-être un jour. Voilà. Donc voilà, en tout cas, sur ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Attendez, je regarde le sommaire que j'ai prévu. Ah, mais oui, bien sûr. On va retourner un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais vous parler aussi d'un autre truc que je fais, du bénévolat là aussi. Ce qui concerne donc les réseaux sociaux français de Dragons and Titans. Je gère donc oui tout ce qui est le compte Twitter, Facebook et Discord de la communauté française du jeu Dragons and Titans. Voilà la communauté française. Alors, récemment j'ai lancé un Facebook et un Discord. Un Facebook et un Discord de lancé. Le Twitter existe depuis quelques mois maintenant. Et tout ça, bon, bah, évidemment, pour fidéliser une communauté, tenir au courant la communauté française, etc., etc. Et d'ailleurs, j'organise des trucs sur ces réseaux sociaux-là. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Voilà. Pour le Twitter, c'est @dntfra. Pour le Facebook, de toute façon, vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Pareil pour le Discord. Voilà, ça c'est dit. Donc n'hésitez pas à aller jouer au jeu qui est un MOBA sur Steam gratuitement. Voilà, je vous mets également le lien de Steam. Pour ce qui est de la dernière partie, on va parler donc d'un jeu que peut-être vous connaissez, ou peut-être pas. Voilà, ou peut-être pas. Il s'agit d'un jeu de gestion sur navigateur internet. Il s'agit de Dino Gaia. Dino Gaia qui existait depuis 2000, enfin qui existait ouais, depuis 2005. Si je ne me trompe pas. Voilà, donc le jeu a récemment fermé. Voilà, malheureusement. Voilà, le staff du jeu a décidé voilà, qu'une page devait se tourner, qu'ils n'avaient plus du tout le temps pour gérer le jeu, donc ils l'ont fermé tout simplement. Sachez que la communauté a migré donc, sur Ultimatera. Et donc là aussi, enfin, je gère pas la communauté, mais je gère une des communautés qui est donc le clan, qui est un clan, voilà, qui s'appelle la secte des Vaillants. Et donc, bah voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, bien sûr. Voilà, tout simplement. En ce moment même, il y a une guerre des clans, donc n'hésitez pas à y aller, à venir, à y faire un tour à poster, je ne sais pas quoi, mais voilà. Voilà. Donc, en tout cas, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce qui s'était passé depuis avril 2016. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir sur mon compte Twitter. Et ouais, alors c'est vrai que j'ai un peu oublié de retirer l'image. J'ai un peu oublié d'en retirer l'image, parce que je suis bête des fois. Et c'est ce qu'en fait, pour tout vous expliquer, hein, vraiment, bon, j'ai quand même bien le retour d'image, ça, y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai tendance toujours à regarder mon retour d'image et je ne regarde quasiment jamais la caméra. Donc, du coup, pour essayer de me forcer un peu de regarder la caméra, je retire. La prévision. Ah! Bon, je retire mon retour d'image. Voilà. On va dire ça comme ça. Je veux dire prévision. Bon, je crois que je vais pas essayer de dire ce mot-là. Prévisualisation. Voilà. Je vais y arriver. Donc, voilà. C'est pas évident à dire ce mot-là quand même. C'est pas évident.
Et voilà, comme je regarde toujours mon retour d'image, je regarde quasiment jamais la caméra. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Hein, parce que voilà, vous aimez quand je vous. Quand je regarde. Enfin, en général, il faut regarder la caméra et non pas à côté. Donc voilà, donc pour ça, donc, je retire donc, le retour d'image. Et c'est vrai que comme j'ai retiré le retour d'image, j'ai pas vu que je vous avais laissé la. La page profil devant moi, la page profil de jeuxvideo.com devant moi, et donc du coup, ça se fait que vous ne m'avez pas vu, vous ne me voyez pas pendant au moins 5 bonnes minutes, à peu près. Hein. Bon, je sais pas trop calculer le temps, voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà. Ou un pouce rouge, mais bon, un pouce rouge, ça m'embête un petit peu quand même. Non, bref. Voilà. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. @crisis_fr. Voilà, j'aurai très bientôt ma chaîne Facebook. En. Ma chaîne Facebook. Waouh! Ma page Facebook, bientôt en ligne, ça va plus. Hein. Je crois qu'il va falloir que j'arrête cette vidéo avant que ça tourne en n'importe quoi. Ouais, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, jeudi à vendredi pour la vidéo. Voilà, pour ce nouveau let's play. Voilà, passez une excellente soirée et à bientôt. Ciao. Ouais, il y a des fois, je suis pas bien dans la tête, il y a des fois, c'est...